Il est digne, l'agneau qui a été immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. Alléluia. En plus des intentions profondes que chacun de nous porte dans son cœur, nous nous confions à la miséricorde du Seigneur et nous confions spécialement les intentions de la famille Ike au Seigneur, ainsi que Nana Luc Apollinaire décédé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous nous réfugions sous la miséricorde du Seigneur, nous qui sommes de pauvres pécheurs, en lui demandant de nous purifier, de nous rendre dignes de célébrer de cette sainte Eucharistie et d'en bénéficier. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, et qu'il vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. »
Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Anani ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères, que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Frères et sœurs, la nourriture est vitale pour la survie du corps humain et pour la santé de l'esprit. Pour vivre et pour bien travailler, il faut manger, il faut boire. Cependant, on ne mange pas n'importe quoi. Suite aux paroles de Jésus, les Juifs s'interrogent. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? La réponse de Jésus ne se fait pas attendre, car si toute bonne nourriture rend la vie agréable, elle n'entretient pas la vie éternelle. La nourriture n'entretient qu'un corps mortel et non immortel. Pour avoir la vie éternelle, il faut passer par le Christ Jésus. La vie éternelle, elle est comme une chaîne qui passe du Père au Fils et du Fils au croyant. De même que le Père qui est vivant dit Jésus m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi, celui qui me mangera vivra par moi. Plus précisément, celui qui mange sa chair et boit son sang, celui-là a la vie éternelle, car lui, le pain de vie, le ressuscitera au dernier jour. La communion au corps du Christ nous vivifie et nous prépare à la vie éternelle avec Dieu. C'est pourquoi, pour nous permettre de vivre dans l'Église et cette communion déjà avec Dieu, l'Église refait chaque jour la scène du Seigneur, l'Eucharistie. Nous sommes ainsi plongés
dans le mystère du corps et du sang du Christ, la nourriture, la boisson qui nous fait vivre. Saint Jean-Paul II disait, l'Église vit de l'Eucharistie, l'Église vit dans l'Eucharistie. En effet, c'est dans l'Eucharistie que nous pouvons puiser les forces nécessaires pour vivre notre foi, pour vivre notre relation avec le Seigneur, surtout dans des moments difficiles comme aujourd'hui, au milieu des persécutions, au milieu des attentats qui peuvent nous effrayer. Notre évêque, le cardinal André XXIII, nous invite d'ailleurs à vivre dans la confiance et dans la paix du Christ ressuscité. Le Christ est notre force, notre paix. Prions pour les chrétiens persécutés. Prions aussi pour tous ceux qui sont contre l'Église. Que le Seigneur touche leur cœur, les convertisse, comme il a converti Saint Paul, Saul, en son temps, et qui sera le grand apôtre, évangélisant les contrées et parcourant les villes et villages pour proclamer le salut de Dieu. Que les saints du ciel, notamment Saint Fidèle que nous fêtons aujourd'hui, nous accompagnent par leurs prières. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
élève notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Celui-là est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chante sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux,
avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, et spécialement pour Nana Luc, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, à lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion nous conduise à la vie éternelle.
celui que l'on avait crucifié. Il est vivant pour toujours et il nous a rachetés. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Regina Chélie.